plein de questions. Anthony, je suis certain que tu en as une qui te trotte dans la tête que tu aimerais poser à Anne. Je voudrais savoir quel âge a Dingo. Dingo, en fait, il a, je pense que je peux le dire, il a 60 ans cette année. 60 Alors, on lui souhaite un joyeux anniversaire. En fait, il a commencé auprès de... Il ne fait pas son âge, en tout cas. Non, moi, je trouve qu'il ne fait pas son âge. Et il a eu une très belle carrière jusqu'à présent. En fait, Dingo, c'est le personnage qui fait, un peu comme Roger Rabbit, le plus de bêtises. Tu l'aimes bien, Dingo? Oui. Moi aussi, je l'aime bien. Moi, j'ai une question que je me pose et j'aimerais bien que tu puisses y répondre. On m'a dit que les Japonais travaillaient sur un tissu qui changerait de couleur. Alors, moi aussi, j'ai appris ça. Ça m'a d'ailleurs assez étonnée. En fait, c'est un tissu qui est en cours d'expérimentation. Il paraît que quand il pleut, bon, il pourrait être bleu. Oui. Si tout d'un coup, il commence à faire beau, le tissu change de couleur, devient rouge. Et si le temps est plutôt brumeux, il peut avoir des petits pois verts, des petits pois rouges. Alors, si jamais un jour on part avec un pull bleu et le soir on revient avec un pull rouge, bah, ça peut être toujours assez marrant. Peut-être qu'un jour, vous, monsieur Père Noël, vous aurez une combinaison jaune. Ah ! Une combinaison jaune ? Quand vous livrerez les cadeaux en plein été. C'est pas possible, c'est pas possible. Le petit Léon, qui habite Monte-Carlo, me demande comment enlever les taches de vin sur un vêtement. Sur mon vêtement, il n'y a pas de problème, elle ne se voit pas si c'est du vin rouge. Mm-hmm. Alors, si jamais vous avez eu du vin renversé sur votre vêtement en plein repas de fin d'année ou de Noël, alors ce qu'il faut faire, c'est très vite verser des tonnes de sel sur la tache. Des tonnes de sel ? Des tonnes de sel, quoi. Pauvre tache. Peut-être toute la salière sur cette tache, laisser sécher et laver le vêtement. Et c'est magique, la tache part tout de suite. Ou alors boire avec modération et puis en faisant très attention. Je pense que vous n'êtes pas très nombreux à boire du vin à table. Surtout pas, surtout pas. Toi, Anthony, tu bois du vin ? Surtout pas. Qu'est-ce que nous regardons maintenant, ma petite Anne ? Oh, tu sais, je regrette beaucoup que Jean-Pierre Foucault ne soit pas là aujourd'hui. Je l'aime énormément. Bah, je ne manquerai pas de lui dire que vous êtes passé. Je pense qu'il va être assez surpris, d'ailleurs. J'ai un très beau cadeau pour lui, d'ailleurs. Ah bah, on peut le prendre. Non, je préfère le garder moi-même. Ah, d'accord, bah, je lui dirai aussi, ça. D'accord. Alors, comme je suis un fidèle de Disney Parade... Mais j'espère bien. Je sais que chaque dimanche, vous offrez plein, plein, plein de cadeaux. Je sais aujourd'hui que Anthony doit tirer 5 lettres au sort. Alors, vas-y, Anthony. Viens ça. Et aujourd'hui, les cadeaux... On m'a dit que c'était des vidéocassettes, le Noël de Mickey. Et un disque d'âne. Est-ce que je pourrais en avoir un pour moi de disque d'âne? Oui, bien sûr. Alors, merci beaucoup. Si vous avez été sage. Est-ce que vous avez été sage? J'ai toujours été sage, mais bien sûr. Mm-hmm. Tiens, on va se partager la tâche. Hein, voilà. Alors, j'y vais. Voilà. La première gagnante s'appelle Sabrina Lacoste. Elle habite en Bretagne, la Haute Plaine. Non, la Plaine Haute. Oui, pardon. La Plaine Haute. Rabia Soussi habite avenue Georges Braque. À Marseille, dans le 14e, bravo. Vous êtes passé chez elle l'année dernière, d'ailleurs. Elle a été très, très sage, oui. Et Zouitine Mustapha, c'est un garçon, Zouitine Mustapha, qui habite au Pas-de-Calais, dans le Pas-de-Calais. Dans le Pas-de-Calais, oui. Et Catherine Duxin habite à quel endroit? La Amancé. Dans le Doubs. Donc dans le Doubs. Ces 5 gagnants vont être doublement gâtés cette année. Je comprends. Puisqu'on parle de cadeaux, et puisqu'on est en pleine période de Noël et que j'ai un travail en ce moment, par-dessus la tête, tu ne peux pas savoir, j'aimerais bien tout de suite pouvoir donner un cadeau à notre ami Anthony, ce qui me déchargerait ma hotte qui est déjà bien pleine. On a pensé à quoi cette fois-ci? Je crois qu'un petit téléphone Donald serait du meilleur effet pour Anthony. On est bien d'accord? Et en plus, qu'est-ce qu'on pourrait offrir? Un disque d'âne ou une peluche? Oui, ce que tu Pourquoi veux. Pourquoi pas? Hein, voilà. Eh bien, je suis très content de pouvoir t'offrir tous ces beaux cadeaux, Anthony. Tu es content? Tu fais un bisou au Père Noël? Fais attention, ça pique un peu. Merci beaucoup, Anthony, de l'autre côté. Vous n'avez toujours pas coupé, hein? Faudrait songer à la couper un petit peu. Hein. Je regrette encore une fois énormément que Jean-Pierre Foucault ne soit pas là. Enfin, je vous prends tous les deux sous ma haute protection à quelques heures de Noël. En tout cas, mon petit Anthony, je te félicite, je te dis à très bientôt. Au revoir, Anthony. Au revoir. Au revoir, qu'est-ce qu'on dit, joyeux? Joyeux Noël. Merci beaucoup, Anthony. Au revoir, ma petite Anne. Au revoir, Père Noël, à l'année prochaine, et passez tous un joyeux Noël. Au revoir, les enfants, à très très bientôt, surtout soyez très très sages, n'embêtez pas vos parents, passez de bonnes vacances, et joyeux Noël. Au revoir.